Check this out. Screw you, hippie. Check this out. C'est une envie, une pulsion puissante, avec une envie irrépressible de fumer. La différence entre le craving et le manque, c'est que le craving, lui, dure 2-3 minutes. Le craving, c'est surtout dû à des déclics qui sont très puissants. Tabac et café, tabac et apéritif. On va déjà essayer de supprimer le déclic. Je prends mon café après le repas. Je vais essayer de prendre mon café à une autre place. L'environnement va changer et l'artère sexe ne va plus se faire. On est bourré de rituels et la cigarette, malheureusement, elle s'est inscrite dans ces rituels. Donc, il suffit de changer un élément du rituel et on va plus avoir la réponse cigarette. 2.0, shiny, ready to go, spice. Il supprime tout ce qui est tabac, briquet, cendrier, qui sont très suggestifs. Quand vient la pulsion, bah, comme ils n'ont plus rien, ils ont le temps de réagir. Parce que s'il y a une cigarette dans la maison, ils prendront la cigarette tout de suite. Changez de pièce, allez vous laver les dents, ça dure 3 minutes, ou prenez un verre d'eau fraîche, et après, mettez une pastille dans la bouche.